Jovenel Moïse, né 26 juin 1968 dans Trou du Nord, département Nord-Est, pays d'Haïti. Li soti dans une famille modeste. Maman relé Lucia Bruno, papa relé Étienne Moïse. En juillet 1974, il était obligé de rentrer Port-au-Prince avec parents. Là, il était continué études primaires qu'il était commencé à faire dans la ville Trou-du-Nord. Il était allé dans l'école nationale Don Durelin et il fait études secondaires dans le lycée Toussaint et dans le centre culturel Collège Canado-Haïtien. L'Elfin fait philo, il était décidé à l'étudier dans l'université Kiskeya, dans sciences éducation. Malgré l'avenir éducatif qu'il était gagné, il était décidé de lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'année 1996, après il était fait fin marié avec madame ni qui c'est Martine Joseph. Avec lui, il a gagné trois petites, deux garçons et une fille. Jovelin Moïse, Jean-Mali Moïse et Jovenel Junior Moïse. Il a quitté Port-au-Prince pour s'installer dans la ville Port-de-Paix pour développer la carrière entrepreneuriale qu'elle voulait. Avec faible moyen, il a gagné. Il était décidé de faire un autopathe qui relève Joma, qui est toujours en fonction jusqu'à jeudi. Dans la même année, il était montré qu'il aimait le jardin parce qu'il était prouvé que c'est un qui aimait la terre. Il était venu avec un nouveau projet qui est un projet banane. Projet ça était venu réaliser. Sous 10 hectares dans le département Nord-Ouest. En 2021, il était venu réaliser que le département a un problème de l'eau potable et il était décidé pour être capable de bailler de l'eau dans le département Sahara. Et ça permet que il était venu entrer dans l'entrepreneuriat ensemble avec Kouligan. Quand il était décidé de mettre la tête ensemble, il était dépensé l'argent et Kouligan tout est dépensé pour être capable de mettre une industrie de l'eau potable pour être capable de distribuer dans tout département. En 2004, Jovenel était membre de la chambre de commerce et industrie. Après un petit bout de temps, puisque il a bien fonctionné, il était conduit bien, il était élu président de la chambre de commerce. Qui c'est CCINO. En 2008, il était venu intéressé avec l'électrification côté le département Nord-Ouest là avec Nord-Est là, t'es mérité pour capable gagner courant éolienne. Et bien c'est là, il t'a parlé gagner nouveau compagnie ça qui c'est Confener SA qui t'a gagné comme objectif pour capable bailler courant éolienne avec 10 communes qui dans le département Nord-Ouest là. En 2012, il était venu fonder Agritrans. Ça veut dire président Jovenel Moïse, c'était un monde qui était toujours gagné l'idée pour le capable créer et Agritrans ça t'a porté un projet durable qui était relé Nourri Bio avec projet durable ça. Il était venu créer environ 3000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Projet ça, il était venu considérer comme le plus grand projet qui gagnait dans la zone Caraïbe. Dans l'année 2015, le président Joseph Martelly a décidé pour être capable de chercher un monde pour aller représenter le parti PHTK qui est tête calée haïtien pour capable assurer présidence là dans place li l'el pa la. Eh bien nan raison ça président Michel Martelly té al rencontré avec Jovenel Moïse qu'elle té déjà connaît et li té expliqué que li vle pour capable venir présenter tête li comme candidat à la présidence et Jovenel Moïse té décidé d'accord.
Pas oublier, c'est même président Joseph Michel Martelly, les Jovenel te vin côté avec projet Bonanza qui était d'accord pour être capable investir et prêter Jovenel Moïse 6 milliards de dollars pour capable faire activité Bonanza. Bonanza c'était un banane qui était capable exporter aller dans pays Allemagne. Et il était considéré projet à l'état bien marché. Dans objectif ça, Jovenel Moïse te marché tout partout en Haïti pour te vendre bel projet li genyen qui c'est projet banane. Ça a fait, yo te relé Jovenel Moïse nèg banane. Jovenel Moïse te fait en pile temps la mené campagne, yon première élection 2015 gâté, 2016 bataille pirède et 2017 Jovenel Moïse te vin remporter élection ça. Et il était élu président d'Haïti. Depuis Jovenel Moïse est arrivé dans tête pays ça, pas de gagner un rien qui était jambe bon pour lui parce que il était gagné une petite minorité juive qui était voté le mettre le président. Ça a permis que pays d'Haïti était divisé en deux morceaux, nèg en haut, nèg en bas et même dans mi-temps pas de joindre parce que c'était un chirépit tout temps. Ça permet que pendant période de 4 ans, Jovenel Moïse connaît 7 premiers ministres. Qui malheureusement, 7e nan, qui te dû investir 3 jours avant même yo devine assassiné, mais malheureusement, qui pas arrivé fait parce que Jovenel était déjà connaît un moment difficile côté la ville d'Abral fini. Jovenel Moïse réalisé plusieurs projets dans le pays d'Haïti. Mais pour un pile monde, Jovenel Moïse pas un bon président, mais pour tant d'autres, c'est plus bon président qui t'a gagné en Haïti parce que il t'a réalisé une bataille contre un système qui kembe peuple haïtien en otage. Monsieur Sayo nous considéré comme nèg en haut. Dans l'objectif ça, Jovenel li bataille en pile. Li te vin rive dans un moment, li te di ti reste là, c'est pour peuple là. C'est comme soi-disant, li te considéré bourgeois yo pillé pays à trop. Mais en même temps, président Jovenel te fait 4 ans. Li t'a pas gémi en bas monsieur gros palto ça yo qui te kembel. Li pas capable faire en rien. Ça arrivait triste. Dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet, là, côté qui gagne un groupe mercenaire qui rentrait la caille président, yo t'a sacrifié, pété gel, cassé coule, cassé pointe li, cassé piel, et là, yo t'a fini avec lui à au moins 12 balles dans colli. Jovenel Moïse qui était déjà parti un gros garçon, mais en pile, nèg qui était dans entourage li, c'est toujours dit, li c'est un nèg qui dit. Gagné un proverbe qui dit, les ou gagné chien qui nan ensemble avec ou nan route, les ou a manger toujours bali, comme ça pour capable toujours assurer sécurité. Est-ce que c'est ça qui la cause que chien ça yo pas jappé personne, les ou t'a rentré prend président Jovenel Moïse? Nous pas connaît. Mais en tout cas, président Jovenel Moïse qui quittait pays d'Haïti à l'âge de 53 ans 7 juillet. Il y allait, il quittait famille. Madame ni qui c'est Martine Joseph Moïse qui te recevoir en pile calotte dans main monsieur Sayo, qui te recevoir en pile cartouche. Eh bien, bon Dieu bali la vie. Et kounya même, li gen chance pour capable assister funérailles Marie-Li. C'est triste, mais la vie c'est comme ça. Ou konnen ki jan ou a viv, ou pa konn ki jou te vini, mais konn sa tout ou pa konn ki jou ou pralé. Jovenel l'allé, li kite yon vide nan peyi a. Li kite yon vide nan cœur madame ni. Li kite yon vide nan cœur famille et li kite yon grand vide nan cœur petite liyo qui t'a toujours aimé wè papa yo là ensemble avec yo. La vie ça c'est comme ça lié.
nous fêtons, nous vivons, nous grandissons, nous vieillons et après nous mourons. Mais Jovenel, il n'a pas de chance ça, parce qu'il n'a pas de coucher sur cabane, malade la Kaili. Mais il était soudain parlé. Il est rentré la Kaili, côté il était assuré, il a un groupe de monde qui a sécurisé. Il était couché avec famille, mais malheureusement, c'est comme si la barrière était grand ouvert, pas même un chien pour te japper personne. Adieu, président Jovenel, adieu. Que nous reposer en paix, c'est avec tristesse, nous disons au revoir. Vous êtes sur Chanel Parola, qui c'est Microzin Haïti News. C'était un plaisir. Ciao, à la prochaine.